Bonjour à tous, je suis Liliane Joubessy, vous écoutez Your Journey Starts Today. Alors aujourd'hui, on a changé un petit peu de façon de procéder pour mon podcast sur ces émissions et j'aurai parfois des invités, comme aujourd'hui avec Elisabeth Ndala qui nous fait le plaisir d'être avec nous pour parler d'un sujet qui vous passionne tous, comment est-ce qu'on sort de sa zone de confort pour éviter l'échec ou en tout cas conjurer le sort, je ne sais pas. On va en parler avec Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Liliane et bonjour à tous. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es déjà et ensuite comment est-ce que on fait pour sortir de cette fameuse zone de confort ou comment on fait pour élargir la zone de confort, comme c'est dit dans ton livre, être totally mégalo. Voilà. Alors, je vais essayer de faire ça de façon assez résumée. Donc, Elisabeth Ndala, je suis initialement galeriste après une expérience professionnelle dans le milieu de l'énergie, du nucléaire. Voilà, en 2012, j'ai créé la Babs Gallery qui, pendant 4 ans, a œuvré à la promotion du travail des artistes, on va dire de façon traditionnelle. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie d'y ajouter un peu plus de moi. Et je l'ai fait à travers une expérience artistique qui s'appelle Totally Mégalo, où j'ai eu l'opportunité, où je me suis donné l'opportunité de devenir une inspiration, une muse, un modèle au choix. Et cette expérience a donné lieu à une exposition qui a été présentée notamment à la Fnac des Ternes, mais aussi elle a donné lieu à un livre, à des ateliers, des conférences. Donc le livre, c'est donc « Être totally mégalo », 11 règles pour s'apprécier, s'estimer, s'aimer et l'assumer. C'est surtout très important. L'assumer, s'assumer. Du coup, dans ce livre, effectivement, il y a une règle, je ne me rappelle plus laquelle c'est, mais il y a une règle effectivement qui parle d'élargir, je dis à chaque fois sortir, mais oui. C'est élargir sa zone de confort. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus par rapport à cette règle, donc la règle numéro 5, élargir sa zone de confort, puis celle de confiance. Voilà. Alors, effectivement, on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort. Et moi, je pense que c'est un mouvement perpétuel, en fait, qui fait que à chaque fois qu'on sort, entre guillemets, de sa zone de confort, elle s'élargit. Mmh. Donc, l'idée pour moi, c'est pas de sortir une fois, c'est dire... On est dans un mouvement perpétuel d'élargissement de cette zone de confort. Après, je fais un parallèle avec le fait de dire si on sort de sa zone de confort, ça veut dire qu'on nous demande de faire un saut vers l'inconnu. Et pour moi, les mots ont de l'importance. C'est pour ça que je n'ai pas retenu le fait de sortir de sa zone de confort, mais de l'élargir. Parce que pour moi, dans un premier temps, c'est quelque chose qui se fait dans la tête et qui ensuite se concrétise en action. Donc, je maintiens, je persiste et je signe. C'est bien élargir sa zone de confort. Voilà. Et c'est, j'ai écrit là-dessus aussi parce que c'est quelque chose que j'ai vécu. Après 10 ans, en fait, au sein d'une entreprise française liée à l'énergie, il a fallu justement que j'aille élargir ma zone de confort. Et ça a pris des mois. Ça a pris des mois avant que j'estime que finalement, ce que j'avais à faire faisait partie de ma zone de confort. J'étais plus à me dire il faut que je saute pour sortir. C'était devenu ma zone de confort. Mais c'est dans la tête que ça s'est fait. C'est dans la tête d'abord que je me suis projetée, que je me suis posé des questions, que j'ai eu peur, très peur, oui, et que je me ça. Suis rassurée. Voilà, parce que la peur, je l'ai eue et je pense que, alors je sais pas, après il y a peut-être des personnes qui comme ça vont vers l'inconnu sans avoir peur, oui. Mais je pense que l'humain a plutôt les chocottes. Voilà, l'humain a plutôt les chocottes quand il s'agit de faire un saut comme ça dans le vide ou quand on a l'impression de faire un saut dans le vide, parce que ça aussi c'est de l'ordre du fantasme. Voilà, ce que j'ai fait, c'est pas un saut en parachute, sans parachute. Voilà, mais c'est l'impression que j'avais. Ouais, c'est ça. Et donc pour moi, élargir sa zone de confort, c'est à un moment donné revenir à la réalité, se poser les questions et les bonnes questions, c'est-à-dire quelles vont être les conséquences. Et est-ce que ces conséquences-là sont mortelles ? Et en général, non. Voilà, c'est aussi se dire que il y a beaucoup, beaucoup de fantasmes, mais on est dans une espèce d'auto-fantasme sur les conséquences de nos actes. Moi, je sais que quand il s'est agi d'ouvrir ma galerie,
Je me disais, oh mon Dieu, je suis en train de ruiner l'avenir de mes enfants. Voilà, puisque je sortais d'une situation très stable avec un salaire tous les mois, voilà. Et j'allais vers une situation dont je savais que, en tout cas dans les premiers temps... ça allait être peut-être un peu plus compliqué voilà, que d'habitude. Voilà, mais je n'avais pas envisagé tout ce que j'allais gagner, en fait. Parce que j'étais dans un fantasme uniquement négatif. Et ça, ce sont des choses qui se construisent. Enfin, en tout cas, voir l'autre versant, c'est quelque chose qui pour moi, se construit. Et ça, il faut prendre le temps de le construire. Il faut prendre le temps de se projeter, de s'imaginer, j'aime bien dire ça, s'imaginer dans la situation où ça a réussi. C'est ça. Où on a fait le pas. Et où il s'est passé des choses positives. Positive. Voilà. Après, la réalité est ce qu'elle est. Il y a des choses extraordinaires, il y a des choses qui le sont moins. Souvent, on est dans un monde de fantasmes, en fait. On imagine des choses, on imagine les conséquences de nos actes. En plus, on les imagine donc en négatif. Là où il peut se passer aussi des choses positives. Donc moi, j'invite les gens à fantasmer en positif, en fait. Et ça se fait, ben, ça se fait dans le temps. Ça se prépare. Mmh. On se prépare, en fait. On se prépare intérieurement à avoir une vision positive de ce qui peut se passer. Ouais. Et c'est pour ça que je parle d'élargir sa zone de confort, parce que vraiment, pour moi, c'est quelque chose qui est d'abord mental. Et puis après, ça se traduit dans les actes. Et finalement, quand on est prêt mentalement, dans les actes, c'est facile. Tout à fait. C'est facile. Je ne remets pas en question cette notion de sortir, mais pour moi, les mots ont de l'importance. Oui. Ouais. Pour moi, c'est plus proche du fait d'élargir quelque chose qu'on a dans l'esprit. Mais est-ce que tu ne crois pas que quand même... Parce que quand on dit sortir de sa zone de confort, oui. c'est effectivement pour aller l'élargir, mais dans un premier temps, tu en sors quand même pour affronter tes peurs, affronter tout ce que tu as fantasmé, comme tu le disais, pour pouvoir finalement élargir sa zone de confort et en ressortir et ainsi de suite. Après, c'est comment on appréhende les mots, en fait. Et vraiment, moi, je pense que les mots ont d'importance, c'est-à-dire que le mot sortir pour toi n'aura pas la même résonance que pour moi. Moi, je sais que sortir... il y a quelque chose qui quelque chose de supplémentaire, enfin une difficulté supplémentaire, en fait. Et donc quand j'ai écrit donc le livre, j'ai pensé à sortir de sa zone de confort, mais le terme sortir, notamment par rapport au vécu que j'avais, ne correspondait pas. Voilà, parce que moi il a fallu du temps pour que j'arrive à me reconfigurer sur des choses positives et pas juste sur « Oh mon Dieu, j'aurais plus de salaire. Oh mon Dieu, je n'aurais plus de statut social. » Parce que ça, je n'avais même pas imaginé à quel point ça pouvait être violent. Impactant de... Ouais. Voilà, d'être dans une période comme ça de transition où on quitte quelque chose, donc on n'est plus, et on va vers quelque chose, mais on ne se sent pas encore légitime. On est en transition, quoi. On est dans un entre-deux qui peut vraiment donner le vertige. Après, quand on l'a vécu une fois, ça va mieux. Et c'est ça aussi... dans l'idée d'élargir sa zone de confort, c'est que finalement, quand on a sauté une première fois, quand on a vu que l'élargissement était possible, la deuxième fois, c'est moins dur. Et qu'il n'y avait rien de grave qui finalement, l'aboutissement de tout ça, c'était pas quelque chose de mortel, comme tu le disais tout à l'heure. Oui, parce que moi, j'ai eu des peurs, mais des peurs... déraisonnable, voilà, et même je ne les comprenais pas, mais après, voilà, si on se fait aider, si on discute, si on comprend d'où viennent ces peurs-là, ouais, bien sûr. Et souvent ce sont des peurs, voilà. Allez, regardez vos traumatismes, les gens, voilà, qui remontent, et puis ce sont des peurs parfois qu'ont eu nos parents, et ainsi de suite, bien sûr. Et nous on porte ça, on ne le sait pas, il y a des transgénérationnels dedans, c'est tout sûr, tout à fait, et on s'en rend compte, voilà, le jour où il faut élargir la zone de confort, là on se dit, mince, je suis bloquée. Alors que jusque-là, j'ai tout mené de front, j'ai tout fait comme on m'a dit. Oui. Mais là, c'est à moi de me dire voilà ce que je dois faire. Et c'est là que on peut être vraiment freiné par soi et puis par tout ce que l'on charrie. Et même parfois par son entourage, il y a aussi ça. Ah, mais alors ça, c'est ça aussi. Ah, bah alors ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que l'entourage bienveillant peut être bienveillant, mais il peut aussi nous refiler toutes ces peurs. J'ai une maman qui vraiment c'est enfin voilà c'est ma maman, mais je connais ses peurs et voilà, et ses peurs sont légitimes et voilà, mais effectivement
J'en ai récupéré certaines. Mmh. Certaines. Et quand j'ai repris mes études pour faire un troisième cycle de management culturel, je me suis dit, bon, déjà là, je reprends des études, donc je m'écarte déjà du chemin qui avait été tracé. Je me suis dit, je ne lui dirai pas. Je ne lui dis pas. Pourquoi ? J'avais déjà mes peurs. J'avais pas envie qu'elle rajoute les siennes. Donc, je ne lui ai rien dit. Je ne lui ai pas dit que voilà, j'avais fait un CIF, que j'étais plus au boulot, que ensuite, je voulais faire autre chose. Je me suis dit, non. Déjà, je gère mes peurs. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose. Ensuite, il y a eu tout le temps de réflexion pour casser une à une toutes ces peurs-là qui m'empêchaient voilà, de m'envoler. Ah oui, oui. Petit boulet ou gros boulet. Gros boulet. Voilà, qui m'empêchaient voilà, de complètement décoller. Quand j'ai fini par me lancer, j'ai fait des travaux, j'avais un local, voilà, j'ai fait des travaux. J'ai organisé ma première expo, mon premier vernissage, et je l'ai invitée au vernissage. Elle a invité ta mère, ça c'est sûr. Donc elle n'était au courant de rien. C'est-à-dire que je lui ai dit, tu viens à tel endroit, tel jour, à telle heure. Et elle est arrivée, elle m'a dit, mais c'est quoi c'est... Mm-hmm. Je lui ai dit, bah, c'est chez moi. Mm-hmm. Voilà. Donc parfois, pour sortir, élargir sa zone de confort, à un moment donné, il faut entretenir parfois des secrets. Oui. C'est-à-dire des secrets qui vont permettre de ne pas récupérer les peurs des autres. Parce que les gens qui vous veulent du bien, il y en a certains qui vont vous pousser, qui vont vous dire « Allez, envole-toi. » Et puis d'autres qui vont vous dire « Non, 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 ne t'envole pas, il y a des chasseurs. Tu risques de te prendre une balle. » Voilà. C'est ça. Et voilà. Et moi, j'ai eu mes bienveillants qui m'ont poussé, qui m'ont aidé, qui ont porté mes boulets dont on parlait. Pour que je puisse m'envoler. Que ce soit plus léger. Exactement. J'ai eu ça et à eux, finalement, j'ai raconté tout le processus. Ouais. Voilà. Et puis, j'avais mes bienveillants dont je savais que dans ce cas précis, ils ne pouvaient pas mettre d'une aide constructive, en tout cas. Ouais, j'entends. Parce que voilà, ça faisait trop de peur. Peur plus pleur plus pleur. On fait plus rien. Jamais ça donne courage. Ça donne trop de peur. Et donc, tout à l'heure, on disait donc, élargir sa zone de confort pour ensuite élargir sa zone de confiance. C'est ça, c'est que plus on fait, plus on prend confiance. Oui. Voilà. Dans mon parcours, j'ai eu la possibilité en fait, de tester plein de choses. Mmh. Et je me souviens d'un déjeuner avec un responsable de chaîne. Donc, je lui explique la galerie, tout ça. Il connaissait un petit peu ce que je faisais. Et donc, c'était avant Totally Megalo. Et je lui dis, mais moi, j'aimerais bien animer une émission. Mm-hmm. Voilà. Et il me dit, mais tu l'as déjà fait ? Je lui dis, non. Je lui dis, non. Go, quoi. Et pour le coup, je l'ai fait. Alors, c'est une expérience qui n'a pas duré dans le temps. Mais peu importe, mais tu l'as fait. Je l'ai fait et je sais où j'en suis par rapport à ça. C'est-à-dire que oui, il y a peut-être des choses il y a certainement des choses à améliorer, à revoir. Sachant qu'en plus, ce n'était pas un format que j'avais choisi, c'était un format existant. Donc, il fallait se mettre dans les chaussons d'un autre. Mais je l'ai fait. Et pareil pour la radio. La radio, alors là, c'était encore plus fou. C'était une personne qui m'avait proposé de m'interviewer. Et puis, je lui ai dit, et puis un jour, peut-être que j'aurai une émission sur ta radio. Et il m'a dit, mais ça t'intéresserait. Et j'ai dit oui. Et il m'a dit, propose-moi un programme. Ouais. Bon, je suis rentrée chez moi, j'ai planché sur un programme et puis ça a duré presque un an. Voilà, une fois par semaine. Alors oui, la peur au ventre au début, hein. Mais en fait, comme j'avais déjà fait des choses, j'avais déjà ouvert la galerie et que la galerie, ça a été vraiment mon gros challenge, ouais. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je risque à perdre ? Oui, ce que je risque, le mot risque, je crois qu'il ne veut pas rester dans ma bouche. Pas grave, mais il faut en prendre des risques pour pouvoir sortir de sa zone de confort. Oui, non, mais je pense que mon cerveau n'aime pas ce mot. D'accord. N'aime pas la phrase « ce que je risque ». Parce qu'en fait, c'est ce que je gagne. Mm-hmm. C'est les surprises de la vie. Oui. Et j'ai appris ça. Parfois, il faut que je me le rappelle. Mais en fait, comme ça, aller vers l'inconnu, ça ne peut apporter que des surprises. Mm-hmm. Et dans la plupart du temps, ce sont des bonnes surprises. C'est ça. Voilà. Et moi, c'est vraiment ça que je veux dire aux gens, c'est que je comprends, moi, qu'on ait peur. Hein, parce que je l'ai dit, j'ai eu peur, très peur. On a tous peur, à un moment donné. Voilà. Mais aujourd'hui, si je n'avais pas tenté, je serais toujours à me poser la question, et si je... Voilà. Puis clairement, là, on a des plantes, j'aurais dépéri comme une plante. Ah, mais vraiment, vraiment, vraiment.
Parce que en plus, dans nos vies, il y a un moment donné, alors c'est une question d'âge aussi, où on sait si on est à sa place. Mmh. On commence à entrevoir que soit on y est vraiment, soit on ne l'est pas. Mmh. Et souvent, on reste à cette place. Par dépit. Oui, par dépit. Et puis, parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas la possibilité de se projeter dans le positif. Alors moi, j'invite les gens vraiment à se faire aider, à aller voir un psy, un psychologue, un machin, un truc, pour prendre du recul. Parce que vraiment, on a des fantasmes en tête que parfois, on n'est pas capable de casser seul. Mmh. Parce que c'est ancré depuis tellement longtemps. Et puis, comme on l'a dit, c'est peut-être ancré depuis 3-4 générations. C'est clair. Et donc là, on n'y a pas accès du tout. On n'y a pas accès du tout. Donc vraiment, si on se retrouve comme ça, bloqué, avec l'envie de faire quelque chose, mais une autre force de l'ordre de l'irrationnel qui nous retient, il faut accepter de se faire aider. Il faut accepter, et ça aussi, hein, c'est quelque part... Sortir de sa zone de confort. Exactement. Moi, je sais que pendant des années, par exemple, aller voir un psychologue, un psychiatre et tout, c'était pour les fous. Mais c'est la culture. On est d'accord. Voilà, c'est lié à la culture, c'est lié à tout ça. Et pour le coup, moi, j'ai sauté le pas. Hein, moi aussi. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler, qui ne vous juge pas, qui est là pour vous écouter. Et puis ça permet vraiment d'avancer. Et puis on gagne des années. Hein. Enfin, moi, je pense qu'on gagne des années. Je pense qu'il y a des gens, par exemple, qui se réveillent, je ne sais pas, à 60, 65 ans, 70 ans, et qui se disent « Oh, bah, il est peut-être temps que j'aille voir un psy. » Et je me dis, de le faire, par exemple, à, je ne sais pas, à 30 ans, voilà, je donne un âge comme ça, ou même avant, hein. Si on a comme ça des choses de l'ordre un peu l'irrationnel, voilà, qu'on n'arrive pas à solutionner, à un moment donné, il y a peut-être des gens qui peuvent nous aider. Donc, une des façons d'élargir sa zone de confort, c'est aussi d'accepter d'en parler, de se faire aider. Après, ça peut être d'en discuter avec des amis, mais une personne neutre, c'est pas mal aussi. Vraiment neutre, c'est pas mal. Bah, qui ne vous connaît pas et qui ne va pas projeter ses peurs aussi sur vous, parce que elle vous connaît et elle dit « Ah, mais tu devrais peut-être pas faire ça parce que je sens que par rapport à ta peur... » Mais en fait, si j'ai envie, qu'est-ce qui va m'arriver en réalité? Et souvent, il y a des gens qui se sont freinés par les peurs des autres, finalement, et qui s'approprient et qui deviennent quelque chose qui est bloquant. Et puis, je pars aussi du principe, ça je l'ai dit dans le livre, qu'on a du bon sens. C'est-à-dire que, à la marge, il y a peut-être des choix qu'on va faire qui sont vraiment déments. Voilà. Mais dans la plupart des cas, quand on a des projets, des choses comme ça, ce sont des choses plutôt rationnelles. Enfin, pour moi, c'est pas, on saute pas du 10e étage dans le vide en espérant que le corps va amortir la chute. Exactement. Et donc faut se faire confiance aussi, quoi. Il faut se faire confiance. Il y a encore quelqu'un qui m'a dit il y a quelques jours qu'il faut écouter son cœur. Ouais. Moi, cette phrase là m'a vraiment parlé, parce que ma tête parle très fort. Elle peut être très puissante, et puis elle peut vraiment faire preuve d'une inertie énorme, mais à côté de ça, j'ai le cœur qui parle très fort. Donc il y a un combat, discussion, ça peut durer des semaines. Je ne sais pas si vous allez mettre dans la tête d'Elisabeth, mais en tout cas... Ça dépend. Ça punch. Il faut choisir ses moments, mais... En fait, depuis que j'ai laissé mon cœur gagner une première fois, finalement, c'est souvent mon cœur qui gagne. Ouais. Enfin, c'est même pas souvent, c'est tout le temps mon cœur qui gagne. Après, ce qui va changer, c'est le temps de la bagarre entre les deux. Ouais. Hein, c'est ça. Parfois, c'est court, parfois, c'est long. Mais finalement, c'est le cœur qui l'emporte, quoi. En gros, si vous écoutez votre cœur, en tout cas, souvent, il vous guide vers la bonne solution pour vous. C'est ça, exactement. La bonne solution pour soi. Ouais. Et sans avoir à écouter Pierre, Paul, Jacques, parce que Pierre, Paul, Jacques a parfois aussi peur pour lui-même, et il projette ça sur vous. Peut-être un autre truc aussi par rapport à ça, au fait de sortir ou d'élargir sa zone de confort. Je dis qu'on fantasme des choses négatives, donc ça, il faut éviter le plus possible, en tout cas essayer d'inverser la façon dont on pense le monde, en fait. Mais il faut aussi être conscient que certains choix vont avoir des conséquences. Et ce n'est pas forcément des conséquences négatives. C'est-à-dire qu'un choix a une conséquence.
Moi, par exemple, quand il a fallu que bah, je laisse mon activité salariée, carrée, normée, dorée, tout ce qu'on veut, bah, il a fallu que j'accepte que je n'allais plus avoir de salaire Bah oui. tous les mois. Et j'ai vu ce que c'était vraiment, puisque j'avais épargné en me disant bah, ça pourra me tenir tant de temps et tout ça. Après, l'activité de galeriste, c'est une activité, d'ailleurs, on me l'a dit au début. On m'a dit, il faut 4-5 ans avant que ça Ça devienne soit rentable. intéressant. Voilà, que ça devienne rentable. Et puis moi, Financièrement. pleine d'énergie, j'ai dit non, non, mais moi, ça ira plus vite. Voilà. Parce que je vais essayer de faire des choses comme ci, comme ça, comme ça. Et donc, effectivement, j'ai vu mon compte en banque. Voilà. Et puis, Ça, c'est le niveau Vous zéro. Et voyez la après, tout ligne? le Voilà. reste, on descend en dessous. Mais j'avais conscience, en fait, et aujourd'hui, je me remercie. J'avais conscience de payer ma liberté. C'est-à-dire, j'ai la liberté a un prix. Nos choix ont un prix. Et il faut être conscient de ça. C'est-à-dire pour pas se retrouver après dans la posture de victime à se dire, oh, mais j'ai plus d'argent, mais Ouais, comment, mais mais comment machin. je vais faire? Non, il faut être réaliste et y aller. Il faut y aller en connaissance de cause et en sachant qu'il y aura de belles surprises. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Voilà. C'est Il y a clair. des choses qu'on ne sait pas. Mais le réalisme, c'est bien aussi. Ça évite après de se dire, enfin ouais, de se morfondre ou quoi. Moi, vraiment. Je me dis, bon, bah ok, je vais pas pouvoir me payer ci, ça, ça, mais encore, ça, c'est pas mon problème. Je suis pas hyper matérialiste, on va dire. Mais en tout cas, je sais pourquoi j'ai moins d'argent sur mon compte en banque, quoi. C'est-à-dire que c'est pour toute la richesse autre que financière que je peux avoir. Et là, en termes d'expérience de vie, mais enfin, ça vaut 1 milliard, quoi. Ouais, Donc. ça vaut tout l'or du monde. Mais Ça ouais. vaut tout l'or du monde. Voilà, donc c'est essayer d'avoir une vision la plus juste possible sur les choses. Et parfois seul, c'est compliqué. Donc ne pas hésiter à en parler aux bonnes personnes, celles qui ne vont pas avoir peur pour C'est vous. ça. Et quitte à aller voir quelqu'un dont c'est le métier que de vous extirper de votre Mental pour mental, voilà, pour prendre un peu de recul, un peu de de hauteur. hauteur. Et se souvenir que on n'est pas en train de faire un saut dans le vide sans parachute en se disant peut-être que mon ossature. Peut-être que cet arbre-là va m'amortir. Mais on Voilà, ne sait pas. c'est ça. Donc C'est aussi ça, le fait de sortir de sa zone de confort. Parfois, on se dit que derrière ça, il y a peut-être un échec qui se profile à l'horizon. Donc comment on fait pour sortir de cette visualisation? Tu parlais du fait de visualiser du positif, mais il y a aussi, mais qu'est-ce qui se passe passer si j'échoue? Oui, alors déjà, on échoue par rapport à un objectif qu'on s'était fixé. Donc, à voir voilà, jusqu'où on se fixe les objectifs, si ce sont des objectifs réalistes, pas réalistes, si on s'en fixe, si on ne s'en fixe pas. Savoir aussi pourquoi on se lance, enfin pourquoi on fait les choses, et ne pas faire comme moi j'ai pu le faire en cours de route. Changer l'objectif, c'est-à-dire on prend un chemin avec un objectif, et puis en cours de route, on change l'objectif et on se dit, et puis arrivé au bout, on se dit, mais j'ai pas atteint l'objectif. Oui, mais en fait, tout le début, il n'était pas fait avec cet Pour celui-là. objectif-là, et les 10 derniers mètres, hop, t'as switché l'objectif. Donc l'objectif, enfin, l'échec est très relatif aussi. Je pense que là, il faut faire preuve de beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi. Et là, moi, je suis pour écouter nos bienveillants. Parce que moi, par exemple, je sais que je ne suis pas assez objective sur mes réalisations. Souvent, C'est hein. comme ça, ces Souvent, temps-ci. Je me soigne, voilà, j'essaye d'avoir un peu plus de compassion vis-à-vis de moi-même là-dessus. Mais bon, le fait est que parfois, je vois peut-être pas les choses. t'es un peu trop critique, quoi. Oui, un peu trop critique. Et puis parce que j'ai tendance à faire ce truc-là, c'est-à-dire, hop là, je switch l'objectif, ou alors j'avais pas fixé d'objectif, mais en cours de route, je me suis collé un objectif, et voilà. Et c'est là qu'il faut vraiment apprendre à écouter ses bienveillants et faire taire sa voix personnelle. C'est pour ça qu'il faut bien les choisir, hein, les Ouais. bienveillants. C'est à faire taire sa voix intérieure, personnelle, qui va nous. Hein, mais enfin, t'es pas arrivé à ça, et voilà. Parce que ça m'a aidé de me raccrocher
la vision qu'avaient mes bienveillants de ce que je faisais. Mmh. Et souvent, j'ai rejoint cette vision, mais pas dans le même timing, en fait. Il m'a fallu du recul. Ouais. Parce que moi, j'étais dans le projet, j'étais la tête dans le guidon. Alors que eux le voyaient de façon dépassionnée. Et ça, c'est important. Moi, cette notion d'échec, elle est vraiment très relative. De toute façon, on dit souvent aux États-Unis, l'échec, c'est pas un échec. Ben non, pas... ben oui, voilà. Mais je suis assez d'accord. Ouais, en France, c'est clair que... L'échec, c'est un échec. C'est tout. Il n'y a pas. C'est un peu y a plus. Pas d'autre chose. C'est un peu plus ça. Voilà. En France, c'est un peu plus ça. Et du coup, on a ça à l'esprit. Ouais. On a ce truc ancré dans l'esprit. Alors que si on arrive à se dire que c'est une expérience qui nous a enrichi, en plus, c'est vrai, quoi qu'il arrive, de ça nous façon, enrichit. Hein, on apprend quelque chose. Donc là, c'est vraiment se faire violence pour se rappeler que l'échec est relatif et que ça dépend aussi des objectifs qu'on s'est fixés ou pas fixés. Ouais. Hein, voilà. Et que là, dans ce cas-là, à un moment donné, il faut écouter nos bienveillants. Mmh. Parce que ça aide aussi à être en paix avec soi-même à un moment donné. Parce qu'on peut se flageller, pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Mais l'autre te dira, mais attends, t'as fait ci. T'as fait ça, c'est mais ça. Regarde tout ce que t'as pu faire de bien, que toi tu ne vois pas, c'est ça. Oui, mais je pense que c'est quelque part c'est un peu normal. On a la tête dans le guidon. Ouais. Moi peut-être que dans, j'en sais rien, 50 ans. Non, on va mettre moins. dans 20 ans, je regarderai tout ça en me disant waouh, t'as tenté tout ça. Dans tout ce que t'as tenté, il y a des choses voilà qui ont fait naître d'autres choses et voilà et j'aurai ce recul là. Peut-être que ce sera dans un an, peut-être que voilà. Alors que d'autres, à l'instant T, ont ce recul-là. Mmh. Parce que voilà, ils voient la réalisation. Parce que nous, en plus, on est dans tout ce par quoi on est passé. Et voilà. Mais finalement, ce que l'extérieur bienveillant va voir, c'est la réalisation. Ouais. Et eux avaient peut-être mis... Enfin, n'avaient pas mis de barre, d'ailleurs. Parce que nous, on avait peut-être mis la barre hyper haute. Hyper haut, voilà. Et eux, voilà, ils regardent ça. Il y a une réalisation. Elle a son intérêt, elle a du sens. Savoure ce que tu as réalisé. Voilà. Savoure ce que tu as réalisé. Mais moi, il y a des... Je le vois, par exemple, avec la galerie. J'ai été très critique avec moi-même. Ouais, je m'étais fixé des objectifs aussi dans un univers que je ne connaissais pas. Donc, c'est ça aussi. Ouais. Je me suis fixé un objectif, mais je n'avais pas tous les codes. Donc, forcément, ça n'allait pas forcément dans mon sens. Mais j'avais peut-être pas assez bien appréhendé bah, tout l'environnement, mais j'ai appris. Oui. J'ai appris qu'il faut appréhender l'environnement. Et ça, c'est important parce que ça va me servir pour les prochains. Mais c'est ça qui retourne à un moment donné. Tout à fait. Tu vois ? Voilà, c'est que. T'as appris plein de choses. Donc, non, l'échec, ça reste relatif. Mmh, mmh. Ça reste relatif. Pour moi, l'échec, c'est plus de ne pas tenter, en fait. C'est vraiment ça. Parce que. C'est ça qui fait dépérir les belles plantes que nous sommes, c'est de ne pas tenter, c'est-à-dire avoir ce truc-là. Il a pu y avoir des regrets tout simplement de ne pas avoir... Ah ben et si j'avais sauté le pas, on ne le saura jamais. Et oui, et ça, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Moi, j'ai la vie, le temps de vie pour moi a une importance, j'ai une conscience très forte du temps de vie et de ce que j'en fais. On a un temps limité, hein, tous de toute façon. Hein. Donc, oui, mais après, il y a des gens, je pense, qui n'en sont pas conscients de la même façon. Chacun son expérience par rapport à ça. Et j'entends des gens qui me disent « Ah, ben ça, je le ferai à la retraite. » J'entends beaucoup de gens parler comme ça. « Je le ferai à la retraite, quand je serai à la retraite. Ouais. » Et je me dis « Mais qui te dit que tu seras là ?» Mais non, mais c'est ça. Et voilà, donc... Profite de l'instant présent. Chez moi, ça génère une espèce d'impatience hein, par rapport à la vie, mais tant pis, c'est comme ça, voilà. Tant pis, tant mieux, voilà, ça fait que je suis comme ça dans un mouvement de création, voilà. Mais attendre qu'il arrive je sais pas quoi, qu'il n'arrivera peut-être jamais, moi je peux pas, voilà. Après, chacun vit son truc comme il le souhaite, mais je sais que c'est pas pour moi. Oui, je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Donc, autant faire ce que je peux faire maintenant. Après, je le fais à mon rythme, mais voilà.
Écoutez, ce sujet est passionnant et je pense qu'on pourrait en parler des heures et vous donner plein d'autres conseils. L'idée là, c'était d'ouvrir la porte, le champ des possibles. Vous savez que vous pouvez sortir de votre zone de confort sans avoir nécessairement peur. Ou même si vous avez peur, allez là où vous avez peur. Parce que c'est là où se trouvent les belles choses, en fait. Ouais. En tout cas, Elisabeth, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment-là avec moi sur Your Journey Starts Today. Je vous invite à la prochaine émission avec un invité ou pas, je ne sais pas encore, on verra. Je vous remercie beaucoup. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur les Jooms, sur Upgrade Podcast. Et vous pouvez retrouver évidemment ces vidéos sur YouTube, sur Instagram, etc., etc. Vous savez, comme d'habitude, allez liker, partager à un plus grand nombre. Et ça sera parfait comme ça. En tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup encore une fois, Elisabeth. Merci. Et à très vite pour une nouvelle émission. Je vous embrasse fort. Bye.